Écoute-moi bien. Même les hommes politiques, je les charge, les hommes politiques, je m'en fous. Sauf un, j'ai toujours dit, le petit. Moi, je l'aime bien. Il me manque. Il a raté les primaires. Ça nous arrange. Nos valises étaient prêtes. C'est vrai, quand il était là, il ressemblait à un président. Tu sais, il bougeait, on disait qu'il était speed, mais il bougeait quand même. Et là, le nouveau, on l'a voté. On dirait que c'est son ralenti. Il ne bouge pas. Il est mou, il ne comprend rien. Hein? Bouge un peu, il s'habille mal des vestes qui sait au ventre. Va à Château Rouge, on vend des vestes là-bas, c'est quoi ça? Mais oui! Oh! Partout il va, il pleut. Avant d'être président, j'ai dit, ce type, partout il va, il pleut. Il pleut tout le temps. Il n'a pas de parapluie, tu es un président. Mais oui! Ses lunettes sont trempées là-bas, c'est qui son conseiller? Non! Il allait dans le nord du Mali, une histoire vraie, inondation dans le désert. Ils n'ont jamais connu ça. Inondation! Il est bizarre, André, un saumon. Il prend le courant en contresens. On t'a voté, on dit fait travailler les chômeurs, maintenant il fait travailler les enfants le mercredi. C'est parce qu'on t'a demandé. On dit baisse les impôts, baisse le chômage, il baisse son pantalon. Il a trois femmes. Quand c'est les Africains, oui, la polygamie interdite sur le sol français. Quand c'est une maîtresse, c'est la même chose. Oh. Je l'aime bien, mais il déconne. J'ai jamais compris son histoire de scooter. J'ai jamais compris. Un président scooter dans Paris, c'est quoi ça? Il en était max. Président scooter dans Paris. Inch'Allah qui tombe en panne d'essence. Mais oui, tu es président, tu es en scooter. Ça ne peut pas arriver en Afrique. En Afrique, un président scooter, même son jardinier, il est en Ferrari. Attention. Mais oui. Alors, tu es président, tu es en scooter, ça ne sert à rien. En plus, il va chercher sa femme en scooter. Elle monte. Les femmes blanches françaises, vous êtes bizarres quelquefois aussi. La femme blanche, tout est romantique. Monter sur un scooter, c'est romantique. Est-ce que le président François Hollande peut s'amuser à aller chercher une femme arabe en scooter? Va. Va chercher une femme arabe en scooter. Va. Va. Femme arabe, elle dit François Hollande, t'es chim, c'est hâte. Va. Ou bien, tu vas aller chercher une femme noire en scooter. La femme noire, elle dit François, regarde-moi. Commence pas, tu viens chercher qui en scooter? Regarde-moi bien. Ça sert à quoi de sortir avec un président pour monter sur un scooter? Tu es vaincu au nom de Jésus, reviens plus ici. Hein? Tu viens me chercher moi en scooter? Moi en scooter. Regarde-moi celui-là, j'aime pas ça. Hein? Reviens plus ici. Avant de te connaître, j'avais ma carte Navigo, s'il te plaît. Hein? J'avais ma carte Navigo. Tu viens me chercher moi en scooter? Viens mettre ton casque, enlever mes mèches. Ah, hein? Viens monter comment? Regarde mon débordement, je vais monter comment? La femme blanche, elle est contente. Sa femme, la Valérie Triangulaire ou Revelée, je ne sais pas quoi là. Elle m'énerve, elle est belle, mais elle m'énerve. On la vire, on dit, va, elle a écrit un livre. Quelle balance. Ben oui, toi je vois dans le noir, tu es noir, ton portable est blanc, on te voit. Baisse la main là-bas. Tu es noir, on dirait rideau, et puis tu as un portable blanc. Il est trop bête. Baisse ton gamin là. C'est ça le stand-up. Tu envoies des missiles. Je suis le seul dans le stand-up à pouvoir faire ça. Je joue mon spectacle, j'envoie un missile, je reviens, je suis pas perdu. Les autres comédiens qui sont comme ça, oh, j'en étais où? C'est toi qui es sorti, débrouille-toi. Moi, je suis un maîtrisateur. J'ai des jambes. Yes, papa, cadeau. C'est moi le boss. C'est moi l'original. Après l'autre, c'est photocopie. Mais oui. Oui, elle écrit un livre. Oui, François Hollande traite les pauvres de sans dents. Le jour où il a dit ça, pourquoi tu ne nous as pas dit? Tu as attendu après, quand tu étais là-bas, tu mangeais bien, tu n'as pas dit, après tu écris un livre. On va télécharger ton livre. Il traite les pauvres de sans dents. Il a raison. Ma grand-mère, les pauvres, n'a pas de dents, c'est la vérité. Tu vas avoir des dents, pourquoi? Tu ne manges pas, tu as des dents. Donne à celui qui mange. Ben oui, oui, je ne vais pas partir, je vais être la première dame. Quand elle a piqué la place de Ségolène, tout le monde a rigolé. Ça faisait mal à Ségolène, elle n'a rien dit. Pourquoi? Elle est née au Sénégal. Il y a des vrais marabouts là-bas. Attends, attends. Ah ben oui. Tu sais, dans la vie, quand tu t'abaisses pour regarder le cul de quelqu'un, vérifie s'il n'y a pas ton cul aussi. Voilà. Depuis qu'il est là, il y a nuit debout. Avant la nuit, les gens dormaient. Ah. Il fait tout de travers. Il fait chier tout le monde. Il y a un oiseau qui a chié sur le président. C'est quoi ça? Oui, il y a un oiseau qui a chié sur le président. Je n'ai pas inventé. Le stand-up, c'est ce que vous pensez. J'ai dit sur scène, c'est tout. Un oiseau a chié sur le président. Mais vous n'êtes pas au courant. Achetez des télés, vous allez voir. Attends.
manifestation Charlie Hebdo, je n'ai pas inventé, il y avait 2 millions de Français qui manifestaient. 2 millions. Probabilité zéro. Il y avait des Noirs, des Arabes. D'habitude, tous les malheurs, c'est sur nous, ça tombe. Ce jour-là, c'est sur lui. Il y avait des gardes-corps, ils ont tout prévu, sauf là-haut. Yeah! Imaginez-vous dans la tête de l'oiseau avant de chier. Pardon, pardon, il est là. Non. C'est fini, déjà.